Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire quelques rappels sur les puissances d'un nombre. Vous l'avez déjà vu en quatrième, cette année on va juste continuer ce qu'on a déjà fait, il n'y aura rien de nouveau, on va juste essayer de s'habituer un peu à cette notation. Et je parle bien d'une notation, puisque la puissance d'un nombre, prenons par exemple ce nombre-là, voilà, bien, c'est la multiplication de 3 par lui-même qui présente 4 fois. Et bien ça, on a une notation qui est plus courte pour noter ce calcul-là. C'est un 3 avec un petit 4 en haut. On dit 3 puissance 4 dans le langage courant ou 3 exposant 4. Ça, c'est ce qu'on appelle une puissance d'un nombre. Elle est très utile, pourquoi? Parce que plus vous allez avancer dans vos études, plus vous allez travailler avec des nombres très très grands et des nombres très petits. Et quand je dis très petit, c'est très proche de 0. Et du coup, ces nombres-là, en écriture décimale, on ne pourra plus trop les utiliser parce qu'ils vont prendre beaucoup plus de place que la longueur du tableau. Donc, on va devoir travailler avec les puissances. On verra ça dans une autre vidéo sur l'écriture scientifique des nombres. Et donc, la puissance d'un nombre, c'est juste ça. C'est quand je vois un nombre qui est multiplié par lui-même plein de fois, ben, le petit 4, le nombre qui est en haut, ben, c'est le nombre de fois qu'apparaît ce nombre-là. Donc, si je prends un autre exemple, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 exposant 3, puisque le 2, il y est présent 3 fois. Avec les puissances de 10, c'est un petit peu plus simple que ça. Donc, la définition est la même. Hein. Si je fais 10... fois 10 fois 10, j'ai bien 10 exposant 3, qu'on dit aussi 10 au cube. C'est quand même un tout petit peu plus simple, pourquoi? Parce que dans les puissances de 10, on peut remarquer, ce qui n'est pas le cas ici, hein, 2 puissance 3, je vous le dis rapidement, ça fait 8, 3 puissance 4, ça fait 81. Ce qui va être vrai avec les puissances de 10, c'est que, en fait, si je devais donner l'écriture décimale du nombre, c'est-à-dire l'écriture qu'on a l'habitude d'utiliser, hein, comme celle-là, eh bien, 10 puissance 3, au lieu de faire le calcul 10 fois 10 fois 10, bah, c'est juste un 1 avec 3 zéros. Et en fait, la puissance du nombre, pour les puissances de 10 seulement, c'est le nombre de zéros qu'il y a derrière. Par exemple, si je vous dis 10 puissance 9, bah, au lieu de revenir à la définition 10 fois 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 10, qui est un peu long, eh bien, avec les puissances de 10, on saura que c'est ce nombre-là, puisqu'il doit y avoir 9 zéros à droite du 1. Ça, c'était la première chose que vous avez vue l'année dernière. On avait travaillé dans un autre chapitre les puissances de nombres, mais cette fois-ci, on avait vu une notation différente, c'était 3 exposant moins 4. Beaucoup d'élèves se trompent et disent bah, 3 exposant moins 4, ça fait moins 81 ou moins 3 puissance 4. Mais c'est tout à fait faux. C'est juste une notation. 3 exposant moins 4, ça signifie seulement prendre ce qu'on appelle l'inverse de 3 exposant 4, c'est-à-dire ben, 1 sur 3 exposant 4. D'accord, le 3 exposant 4, ben, il passe au dénominateur dans une fraction. 3 exposant moins 4, le moins signifie que ça passe au dénominateur, au nombre du bas. C'est une notation, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais c'est quand même une notation, ce qui donne 1/81. Alors ça, par contre, en écriture décimale, je ne sais pas combien ça fait, on s'en moque un petit peu. Si je prends 5 exposant moins 2, eh bien, par définition de ce que je viens de vous dire, c'est 1 sur 5 exposant 2. Inversement, hein, si je fais 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2, voilà. Bien, on avait vu sur les multiplications de fractions hein, en quatrième que ça faisait 1 fois 1 fois 1, donc 1 en haut, et 2 fois 2 fois 2 fois 2 en bas, ce qui signifie 1 sur 2 exposant 4, et donc on peut l'écrire 2 exposant moins 4. Voilà l'écriture sous forme d'une puissance d'un nombre de ce calcul-là. On aurait pu écrire évidemment ici aussi que ça donne 1/2 le tout à la puissance 4. Puisque 1/2 est répété 4 fois. Et donc là, on voit apparaître 1/2 puissance 4. J'ai mis des parenthèses hein, pour dire que c'était bien 1/2 qui était puissance 4. C'est égal à 2 exposant moins 4. Alors oui, c'est des notations un peu lourdes, mais on ne les utilise pas trop celles-là. On va vous les faire manipuler cette année. Mais n'empêche que ce qui va plus s'utiliser, encore une fois, c'est les puissances de 10 pour les écritures scientifiques. Donc la prochaine vidéo. Si je prends 10 exposant moins 3, eh bien c'est 1 sur 10 exposant 3. Mais 1 sur 10 exposant 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1 sur 1000.
Et 1 sur 1000, un petit de sixième, il vous dirait, bah, c'est un millième. Mais un millième, qu'est-ce que c'est? Bah, il sait l'écrire en écriture décimale, un millième, l'écriture à virgule. Pour un petit sixième, un millième, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on repère? On repère que lorsqu'on a moins 3, eh bien, c'est le nombre de zéros qui sont à gauche du 1 cette fois-ci, puisque c'est moins 3 à gauche du 1. C'est le nombre de zéros qu'il y a à gauche du 1 quand on fait 10 puissance moins, exposant moins 3. Alors que là, on avait 10 exposant 3, c'était le nombre de zéros, mais à droite du 1. Donc pour les puissances de 10, les puissances négatives, c'est encore super simple. Si je fais 10 exposant moins 5, eh bien je sais que ça va être 0,000. Il en manque 1 parce qu'il en faut 5. 1. Voilà à quoi vont servir les puissances négatives, surtout avec les puissances de 10. Il n'y a pas grand chose d'autre, il suffit juste de se souvenir de ce que c'est qu'un millième, un centième, etc. Et ça, eh bien, il va falloir que vous le travaillez.